La métropole de Montpellier, elle est formée de 31 communes, dont la ville de Montpellier. Et les 30 autres communes, qui sont de taille bien plus modeste, souhaitaient ardemment adhérer à la DULACT. Simplement, c'est vrai que si on avait cumulé les adhésions individuelles, ça faisait quand même des montants financiers élevés. Et du coup, on a étudié, sur proposition de la DULACT, le fait de faire une adhésion groupée commune pour l'ensemble des 31 communes, plus de nos satellites. Satellites étant la TAM, l'organisme de transport, la régie des eaux, notre bailleur social. Avec une adhésion unique qui leur permet du coup d'accéder à l'ensemble des services. Alors très concrètement, par exemple, il y a un paiement qui est prévu pour la brique SLO, qu'utilisent pas mal de nos communes, et qui est intégré dans cette adhésion. Donc mécaniquement, ça va faire une baisse pour les communes qui en sont particulièrement ravies. Ça leur permet aussi d'accéder à toute l'offre de services de la DULACT. On a déjà mis depuis plusieurs années, grâce à mon adjoint Pierre Brice, qui malheureusement n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais qui avait beaucoup travaillé sur la mutualisation avec les communes, on a mis en place un catalogue de services envers les communes. Et en fait, finalement, cette mutualisation de l'adhésion à la DULACT, c'est un prolongement de toutes ces offres qu'on avait déjà mises en place en direction des communes qui sont très demandeuses d'aide, parce que malheureusement, vu leur taille, ils n'ont pas forcément les personnels qui vont bien pour pouvoir répondre à toutes les demandes qui leur sont confiées. Le numérique va au-delà des bords politiques. On l'entend souvent dans différentes structures, enfin dans différentes réunions ou webinaires dans lesquelles je peux me retrouver, ou même sur des structures comme France Urbaine, comme les Interconnectés. Et on voit bien que sur des domaines comme par exemple la sécurité des systèmes d'information, le numérique responsable, désormais je pense l'IA, on dépasse ces limites-là et on arrive à avancer ensemble, et ça c'est vraiment intéressant.